On a fait des maths, du français et même de l'art plastique. On a dessiné la nuit avec des étoiles et la lune. Tu aurais dû voir, il y en a qui se sont mis de la peinture partout. La maîtresse était furax. Eh bien, on a du courage, cette maîtresse. Le plus beau métier du monde, qu'il disait. Et avec tes copines, comment ça s'est passé? Ah oui, c'est vrai. Ma copine Anna m'a avoué qu'elle était amoureuse d'Hugo. Moi, je l'aime pas beaucoup, Hugo. Allez, nous avons jusqu'à l'arrivée de maman à 19h pour nous amuser toutes les deux. Qu'est-ce que tu dirais de commencer par prendre le goûter? Oh oui, mamie. D'ailleurs, tu sais super bien faire les gâteaux. Comment tu as appris? Je ne t'ai jamais raconté l'histoire de mon ami Rémi. Eh bien, ouvre grand tes oreilles, tu risques de ne pas me croire. Je ne sais pas si tu le savais, mais lorsque j'étais beaucoup plus jeune, mon rêve était d'ouvrir mon propre restaurant. Non, bien sûr que non.
Ah, comment ça, 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 c'est vraiment pas question de nous. Non, 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 trop original, tu vas jamais aimer ça. Alors. C'était bien plus tard.
Tu savais que je vivais dans un petit village et que je passais mon temps à la bibliothèque à lire des livres. Un village particulièrement animé, mais loin de tout. Un jour, alors que la nuit tombait, je me promenais dans les sous-bois quand une tempête de neige se déclencha. Par chance, j'étais proche d'un vieux château dont les grilles noires et pointues étaient restées ouvertes. Alors que j'étais frigorifiée, je voulais me réfugier à l'intérieur. Je frappai à la porte lorsque celle-ci s'ouvrit lentement. Ce château était aussi beau qu'il était mystérieux. Il faisait sombre, je ne voyais même pas mes pieds. Mais je pouvais remarquer que même s'il avait l'apparence d'un château abandonné, il était propre et parfaitement nettoyé à l'intérieur. Il y régnait un silence tellement puissant que l'on entendait le pas de mes chaussures sur le carrelage marbré du hall d'entrée. Alors que j'avançais tout doucement et que je commençais à être un peu effrayée dans ce grand château sombre, j'ai alors crié « Y a quelqu'un ? Où est la lumière ?» Mademoiselle, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Présentez-vous, ne pensez plus à rien, prenez place et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. C'est la fête, c'est la fête, service garanti avec. Mettez votre petite bavette chérie et nous on veille au reste. Plat du jour et hors d'œuvre, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure. Et croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse. Mademoiselle, ça, c'est la France. Un dîner, ça vaut mieux qu'un bout de trompette. Prenez donc le menu, et quand vous l'aurez bu, on fera la fête. Ce sera chouette, maminette. Mireton, Bassanté, Paris, Brest, Outrelles, Flambé. On vous prépare avec art une fête à vous. Coupez le sifflet, vous êtes seul et pas fier. Et ma belle, laissez faire. Y'a pas de cafard, y'a pas de déprime. Quand les assiettes sont des copines, j'ai la cote pour chanter avec mes potes chandeliers. Tout ça dans la tradition des grands présents. Allez, le vent d'auvergne, et sautons la barrière pour les fillettes. Tristounette, moi je connais qu'une seule recette. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. La vie est un supplice pour un domestique sans office qui ne peut faire le bonheur d'âme. Ah, le bon vieux temps, des jours de la meur. Que la vie a classé aux archives. 10 ans de vraies galères ratatinées par la poussière, sans jamais pouvoir montrer notre savoir-faire. Ah, déambuler autour du château, car ta bouffe bombe d'un pillou, d'un boum, thank you my lady. Au dessert, je vais te dire, je suis un gros spécialiste. Pendant des tests, je suis une tache chaude, je vais pas faire un petit boulot. Je pleurerai comme une folle, j'ai une tache sur ce désol. Un ton se serait donné par l'impression. En mon dessert, qui est mieux, ce sera un sucre de ma lune. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Mon désir et mon regret. Après 10 ans, on s'en est guéri. La fête, oui la fête, oh yeah.
ça est joyeux dans ce château. Mais je pense que vous n'imaginez pas l'envers du décor. Cette terrible histoire de jeune fille perdue dans les bois, tout n'était pas gagné. Et je peux vous dire que quand celle-ci est arrivée, nous nous sommes demandé à quelle sauce elle allait clairement être mangée. Notre maître, un si beau prince d'antan, avait été transformé en une bête sombre et triste. Comment aider cet homme que nous connaissions pourtant bon pour devenir quelqu'un de bien et ouvert à l'amitié? Peut-être à l'amour. Ce sort n'était pas les plus simples, car l'amour, oui. Dans un contexte comme celui-là, je peux vous assurer qu'il était bien compliqué de convaincre la princesse, ne serait-ce que de nous accompagner pour un dîner. Et puis, il y a eu cette journée magnifique, froide, n'est-ce pas? Et cette bataille de neige endiablée. Et là, la magie a commencé à opérer. Et je pense que c'était le tout premier jour où j'ai vu mon maître sourire depuis presque 10 années. Un espèce de
sifflement comme le bruit du vent, interrompu par un... Je penchais pour voir d'où ça venait, mais rien devant la maison. Est-ce que tu devines par quel moyen papy avait décidé de venir me chercher ? En voiture ? Non. En vélo ? Non, non. Bien plus original que ça. En overboard ? Non, ça n'existait pas. Mais c'est le même principe, sans électricité et sûrement encore plus écolo que l'overboard. Est-ce que c'est silencieux ? Oui, très. C'est dur, un indice, s'il te plaît. D'accord. J'ai dit que je ne voyais rien au sol. Mais si tu lèves un peu les yeux vers le ciel... Non, mais tu ne vas pas me faire croire qu'il est venu en avion quand même. Presque. Thank you.
Rémi, je te crois plus, hein. Un rat qui cuisine, une bête qui vit dans un château, un tapis volant. Je sais que j'ai que 6 ans, mais quand même, je sais ce qui est possible et ce qui n'est pas. Papy, en tapis volant, quand même, c'est comme me faire croire que les grenouilles se sont sur mon prince quand on les embrasse. Attends, si c'est ça, moi aussi j'ai une histoire à te raconter, mamie. Et celle-là, elle est bien réelle. J'ai une copine qui s'appelle Rose, et elle m'a raconté qu'une fois, elle a été invitée à une grande fête chez ses cousines, je crois. Anna et Elsa. Il paraît que c'est trop bien. Il y avait de la musique, des bonbons, de la papa, et même du pop-corn à volonté. Eh bien, il paraît même qu'il y avait un bonhomme de neige animé. À mon avis, t'as pas l'habitude du soleil. Pas vraiment. Mais quelquefois, j'ai plaisir à fermer les yeux et à imaginer la vie d'un bonhomme de neige jardinier. Les abeilles, les pissenlits et le soleil, de l'amour à la fesse que la neige fait halte. Avec, à la main, je m'allonge sur le sable fin, je commence à bronzer en douceur en été. Je sens une brise. Thank you.
été en vain. Cacheter pour moi, n'en parle pas. Fais attention, secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. De sentiments libérés, délivrés, je ne mentirai plus jamais. C'est moi, tu sais, je suis
avec toi. Le pote disait, oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Ton ami, c'est moi.
qui raconte des histoires des frères Grimm et un autre avec des super-héros. Ah, bon, fais-moi voir celui-là, tiens. Alors, il y en a un qui porte un espèce de collant rouge et bleu et qui se tient dans une drôle de position. Si je regarde de plus près... Attends, j'attrape mes lunettes. J'ai l'impression qu'il est suspendu entre deux immeubles avec une espèce de toile d'araignée. C'est possible. Tu le connais, toi? Bah oui, tout le monde l'adore. C'est Spider-Man, l'homme araignée. Oh. Et lui, là, il est surprenant, dis donc. Il est tout vert et il a l'air super énervé. Je crois qu'il casse tout sur son passage. Mais non, c'est un vrai gentil. Et c'est Hulk, mamie. Oh là. Et lui, là, c'est un faux super-héros. Il dit plein de gros mots. Et il s'appelle Deadpool. Un super-héros qui dit des gros mots? Non, mais je le connais pas, celui-là. Mais je suis sûre que lui, il fait bien rire les enfants. Et les parents doivent bien s'amuser à essayer d'empêcher les enfants de regarder, d'ailleurs. Et là, le dernier... Ah! Mais je le connais, celui-là. Il vit dans une batcave et il adore les chauves-souris. C'est Batman! Thank you.
come see our trouble kind. They come from where you and shine. They find no shade for the night. I mean, I got a single. Now that I'm feeling good. Don't see my favorite toy. Who's talking that same joke? My little feels so good. I got a little feel alright. Can you feel this body? Cause I can make you feel alright. Thank you.
Tu vois qu'avec un peu de courage, une cuillère de banane pourrie, c'était pas si terrible que ça, hein. Berthe, j'en ai encore le goût dans la bouche. Un bonbon, mamie, s'il te plaît. Bon, ok. Un seul, alors, hein. Et tu peux rassembler tes affaires parce que j'entends que maman se garde devant la maison. Quoi? Déjà? C'est passé vite, mamie. Avec toutes ces histoires, j'ai l'impression que je suis rentrée de l'école depuis 10 minutes seulement. Mais tu reviens mardi prochain, tu sais bien. Oui, j'ai trop hâte. Allez, file ma puce. Maman n'a pas beaucoup de temps, ton papa vous attend pour manger. À mardi, mamie. À mardi, ma puce. Pfff, et je suis fatiguée, moi. Elle est pleine d'énergie, ma petite fille, mais... Qu'est-ce que j'aime l'avoir avec moi tous les mardis. Je vais quand même me reposer un petit peu. On peut sortir.